Yo les gars, c'est Ensu, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Géométrie Dash 2.2, baby. Alors si vous n'avez pas vu, j'ai sorti une vidéo sur le petit niveau Dash. Bon, du coup, je vous spoil complètement la barre de progression, mais je vous avoue que le niveau est très compliqué. En vrai, je pourrais progresser, bien sûr, parce qu'on progresse toujours de un petit peu, un petit peu, un petit peu. Mais c'est vrai qu'il est un peu galère, surtout au niveau de la bouboule bizarre qui part dans tous les sens. Je sais même pas comment elle marche, celle-là. Faudrait que je teste, je pense, en practice mode, juste la boule. Mais du coup, aujourd'hui, on va faire le plus intéressant, le mode Tower. Donc, c'est le niveau 2D un petit peu. Donc, let's go, baby. Alors, comment ça marche? Ok, donc. Ok, je peux sauter comment? Ok, mais pour sauter, il y a trois boutons. Soit espace, soit clic de souris, soit Z. Ok. Attends, j'ai envie de tester. Ok. Le S ne marche pas, j'ai l'impression. Et du coup, les gars, c'est vraiment un platformer. Ça a l'air franchement pas mal. Fils de Neuil. Attends, il y a marqué quoi? 100%. Ok, bon, ça c'est bugué. Merde! Oh, j'ai fait mourir. Ça sert à quoi ça? C'est un checkpoint? Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, purée de pommes de terre. Wesh! Bon, wouah! C'est pas très facile à prendre en main, je vous avouerai. Ok. Et franchement, je kiffe de fou. C'est un peu galère à prendre en main, mais j'aime bien. Ah! Attends, je vais juste prendre la pièce. Merci bien. Ok, là, oh là là, oh là là. Belek, belek. Ok. J'imagine il y a des secrets un peu partout en plus. Hop. Ah, je vais mourir. Putain, je suis un teubé. Merde. Attends, quand tu meurs, les pièces respawn? Attends, j'ai envie de regarder quand même. Ah non, juste les pièces que t'as pas eu, je pense. À partir du checkpoint, en gros. Aïe. Ok. C'est un peu bizarre, du coup, que les pièces respawn quand tu meurs. Mais bon, pourquoi pas. Ah, je vois pas, je vois pas, je vois pas. Oh, let's go, le goat. Il y a une pièce bleue là-haut. On va essayer. Oh purée. Quand tu sautes, t'as pas le mouvement. Ok. En bas, il y avait rien, je crois. Alors là, on va faire gaffe. Ça a l'air un peu. Ça a l'air piégé. Qu'il y avait des oiseaux. Qu'il y a des petites torches. Est-ce qu'il y a un boss? C'est quoi? Il y a un bouton, j'appuie. Il y a une caméra, un truc qui s'ouvre. Ouais, c'est vraiment une caméra. Oh, c'est un laser. Oh purée de pommes de terre. Je peux pas bouger, pas d'ailleurs, au cas où. Ok, il m'a scanné. Il m'a dit, vous êtes méchant. I see you. Ok. Et la barrière qui baisse. Là, je peux rentrer. Ok. Donc là, on est dans un deuxième niveau. C'est toujours le même. Merde, c'est quoi ça? Ah, c'est pour arrêter le temps. Ça, c'est le nombre de pièces que j'ai eu. Ah, ok, non. Il faut faire moins de 70 secondes. Ok, j'ai compris. Et donc là, si je marche, je peux plus revenir en arrière. Merde. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ok, je tombe dans un trou. Et j'ai un nouveau petit truc. Ok. Ok. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, on va juste le refaire. Parce que du coup, j'ai clairement oublié des choses. Alors, est-ce qu'on peut aller à gauche peut-être? Là, il va falloir regarder un peu partout pour voir tout ce qu'on a loupé. Merde, zob humide. Mais du coup, les pièces, j'ai plus vraiment besoin de les prendre, hein, en réalité. Merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Où est-ce qu'il y a des pièces que j'aurais pu louper? Merde! En fait, j'ai l'impression que j'en vois pas. Je vois vraiment pas les pièces. Oh là, il y en a. Non, c'est pas une pièce. Je croyais qu'il y avait une pièce. Je vois pas de pièces. Je vois pas de pièces. Je suis pas bigleux quand même. Il y a pas de pièces, on est d'accord. À part la bleue qui est là. Hein. Mais je pense pas qu'il faut que je prenne trois fois la même pièce bleue. Je vais tester, mais je pense pas. Hein. Ah! Failli tomber. Allez, 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 allez.
Sinon, je regarderai des vidéos YouTube au pire. Où sont les pièces bleues? Où sont les tralalalaires? Ouais, mais du coup, j'ai déjà fini le niveau, il n'y a pas de pièces bleues. C'est trop bizarre. Et du coup, ok, quand tu le finis en 70 secondes, tu gagnes une étoile. Quand t'as les 3 pièces bleues, t'as une étoile. Mais après, les pièces bleues, j'imagine, c'est des passages secrets, hein, si on les voit pas. J'imagine qu'elles sont cachées quelque part. Et puis, les pièces jaunes, faut toutes les prendre. Je sais pas s'il faut toutes les prendre ou faut prendre un quota. En l'occurrence, je les avais toutes prises, perso. Mais j'ai même pas fait assez. Du coup, moi, je les avais toutes prises, les pièces bleues. Les pièces jaunes. Mais est-ce que dans d'autres niveaux, il faudra aussi toutes les prendre? Ou alors, il y aura un certain nombre à prendre. Ok, en tout cas, on continue avec le niveau 2, Sewers. Wesh, la musique! C'est pas une Angry Birds, ça? J'ai pas envie de dire de la merde. Je crois que c'est une Angry Bird, hein. Ah, j'ai loupé la pièce. Ah! Ah, je vais mourir. Je vais mourir, ça veut rien dire. Attends, est-ce qu'on peut casser les blocs? Non. C'est quoi, on va aller par là? Ah, fuck. Franchement, je kiffe, juste la jouabilité est un peu bizarre. Parce qu'en fait, j'ai l'impression tous les jumps, faut jump comme si t'étais en game normal, genre. En gros, il faut que vous restez appuyé sur la touche avancée. J'ai l'impression. Genre, tu restes avancé et tous les jumps sont normales, genre, regarde. Juste j'avance et en fait ça marche. En fait t'as pas besoin de contrôler vraiment ton joystick entre guillemets. C'est un peu bizarre et un peu dommage. Parce que si t'as juste à avancer. Enfin t'as capté. Bref. On a quoi de beau à gauche? Je pense que je dois aller à gauche. Ça me fait penser un peu à. Ah! J'ai failli mourir. Ça me fait penser à Mario avec les chomps quand il tombe. Faut que j'appuie là? Ah, ok, c'est bon. Ok, ça a déverrouillé un petit monsieur. Ok. Pourquoi pas. Du coup, en réalité, il me manque une seule pièce bleue. Hop, et on se barre. Et en vrai, je kiffe de fou. En vrai, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et en fait, ça rajoute un peu de truc fun. Ça rajoute du fun à Geometry Dash. Parce qu'avant, c'est vrai que c'était très tryhard. Donc là, ça met un peu de fun! Merde. Mais comment t'es censé prendre toutes les pièces alors qu'il y a. Il y a littéralement des. Ah! Il y a littéralement des trucs partout. Ah, faut le sauter. Il y a littéralement des pics qui sortent du sol. Merde! J'ai pas envie d'abandonner les pièces en fait. J'ai envie d'avoir toutes les pièces. Même si c'est un peu galère. Oh! Merde, j'ai failli me faire piquer les culs. Oh, j'en ai loupé une. Oh, j'en ai loupé une, je suis un zub. Ok, let's go. Peut-être faut vraiment tryhardos, pépitos. Ah! Ah! Ok, attendez, là je l'ai. Ah! Non, mais putain! Les gars, la tête d'homme que c'est impossible. Le pattern il est trop bizarre. C'est quoi ça? Wesh. Zop. Babao. Putain, j'ai failli mourir. Comme un teubé. Ah! Elles sont revenues! Putain, j'ai trop le seum. Les pics ils sont revenus au même endroit. J'ai fait exprès d'y aller parce que bah ils venaient d'y aller. Donc je me suis dit les pics ils vont pas revenir deux fois. Et bah si, ils étaient revenus. Non. Non, non. Ah. C'est impossible les gars. Ah, ah. C'est impossible, mais c'est impossible. C'est impossible, c'est quoi ce niveau de fou furieux? C'est quoi ça? Frère, c'est que le deuxième niveau, j'imagine pas le reste. Enfin, du coup, j'imagine très bien que ça va être dur. Leur pattern de Golemon. Je veux pas. Pute. Je vais réussir.
Putain de merde. Mais wesh, non, c'est une dinguerie, j'étais même pas dedans. Oh! D'ailleurs, petit tips, quand vous restez appuyé sur droite ou gauche et que vous restez appuyé sur l'autre touche après, bah ça marche pas. Voilà, ça veut rien dire, mais j'espère que vous avez compris. Genre, si je vais à droite, après j'appuie pour aller à gauche et que je reviens à droite, bah le bouton droite ne marchera pas. C'est un peu bizarre. C'est un peu buggé en fait, surtout. Oh! Je vais m'énerver. Putain! Vas-y les gars, je vais abandonner, ça me casse déjà les couilles. Frère, pourquoi je prends les pièces aussi? On s'en bat les couilles des pièces, frère, c'est une dinguerie. Putain! Putain, 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 putain! Putain! Ouais, je casse les couilles. Puis sa mère. Vas-y les gars, dernier essai, je me casse sinon. Ça me casse déjà les couilles. Frère, pourquoi c'est un jeu de tryharder? On peut pas. Ils pouvaient pas faire des niveaux sympas, je sais pas. Des niveaux friendly. Direct, dès le deuxième niveau, ça casse les couilles comme ça. C'est une dinguerie, n'empêche, de faire d'autant me casser les couilles. Putain, vas-y, c'est mort, hop, nique ta mère. Ciao les gars, likez, abonnez-vous, je me casse.